9 mois après l'élimination des Pays-Bas face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde, les Néerlandais n'ont toujours pas digéré leur défaite au tir au but après une rencontre particulièrement houleuse. Après avoir miraculeusement arraché la prolongation grâce à un but inscrit par Wout Weghorst, au bout du temps additionnel, les Oranges s'étaient finalement inclinés au tir au but et avaient vu les Argentins déverser leur fiel à coups de provocations et déclarations tapageuses. Le ressentiment des Pays-Bas est forcément fort et Louis van Gaal en a apporté une nouvelle preuve en insinuant que le sacre de l'Argentine au Qatar était prémédité. Regardez comment l'Argentine a marqué. Comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés, je pense que tout était prémédité, a-t-il ainsi confié en marge d'un gala durant lequel une récompense lui a été décernée pour l'ensemble de son œuvre. Relancé, Louis van Gaal a précisé le fond de sa pensée. Je pense tout ce que je dis. Que Messi devait devenir champion du monde. Je le pense, oui, a-t-il renchéri. Le technicien néerlandais n'est pas le premier à proférer de telles insinuations. Je dois le dire, car c'est plus fort que moi. Il est inacceptable qu'un arbitre argentin arbitre notre match ici aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, et ce que Messi a dit. Avait notamment fulminé Pepe après l'élimination du Portugal face au Maroc.